We will have an initial input from each of our esteemed panelists, and then we will have an opportunity for some questions from the floor before I hand back to our panelists. And so it's a delight to welcome, first of all, Monique Borsenberger from the Luxembourg Institute of Socioeconomic Research, who has done research in many relevant areas, including in the area of the not uncontested area of social cohesion. So, Monique, if you would like to begin. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier Jeanne pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir participer à cette conférence. C'est aussi une grande chance comme chercheur de pouvoir sortir de son bureau et de participer, de partager ses idées et d'avoir des retours. Donc voilà, moi je vais vous parler d'abord de la cohésion sociale. En fait, je vais emprunter deux métaphores au sociologue canadien Paul Bernard, qui disait, lui, que la cohésion sociale, c'est un peu comme de la colle, ça doit coller les individus ensemble. Mais d'un autre côté, ça ne doit pas les coller trop non plus. Un peu comme dans le mariage, où il faut trouver la bonne distance afin de garder aussi une certaine liberté. Et donc, au niveau social, c'est un peu la même chose. S'il n'y a aucune liberté, l'uniformité et le totalitarisme peuvent aussi être des dangers. Donc en fait, la cohésion sociale, ce n'est pas un mot magique et il faut vraiment bien la définir, parce que trop de cohésion sociale, un groupe trop cohésif, c'est aussi un groupe exclusif. La cohésion sociale, ça crée un « nous » qui est inclusif et en même temps qui rejette tous ceux qui n'appartiennent pas à ce groupe. Alors, on a le premier qui a parlé de la cohésion sociale, c'était Auguste Comte, et puis ça a été développé par Durkheim avec les théories de la solidarité. Et une cohésion sociale donc décrit une société où la solidarité entre les individus est forte avec des liens sociaux développés. Et cette question de la cohésion sociale revient généralement en période de changement, changement économique, changement social. Dans la recherche en sciences sociales, c'est un thème qu'on retrouve depuis les années 80. Mais le problème, c'est qu'il y a autant de définitions qu'il y a de travaux sur la cohésion sociale. Donc la première chose qui est importante de faire, c'est de trouver ou d'adopter une bonne définition. Et donc, en fait, parmi les multiples définitions qu'on peut trouver, justement, celle de ce sociologue canadien est intéressante parce qu'elle il s'inspire des Lumières et de la Révolution française, et il définit la cohésion sociale dans un cadre démocratique, comme un processus et comme une dialectique entre ces trois valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la solidarité. Donc pour lui, ces trois éléments sont en même temps nécessaires, puisqu'ils forment un tout, et en même temps ils peuvent s'opposer les uns aux autres. Si on fait le point rapidement, on peut voir que la liberté n'est possible que pour des gens relativement égaux et solidaires, au moins au nom de l'idée de liberté. L'égalité repose sur le sentiment d'avoir une destinée commune et nécessite aussi que les individus soient libres. Et la solidarité doit être librement assumée et combattre l'exclusion. D'un autre côté, ces trois éléments entrent aussi en contradiction. Quand une dérive de la liberté menace l'égalité et peut réduire la solidarité à l'interaction personnelle, une dérive de l'égalité peut noyer la liberté dans l'uniformité, comme on en a parlé tout à l'heure, et empêcher la solidarité. Et la solidarité peut aussi devenir ennemie des libertés et servir de prétexte à la perpétuation des inégalités. Et les excès de solidarité sont les totalitarismes et les intégrismes, et une solidarité qui embrigade au mépris de la liberté. Dans son argumentation, Bernard donne une place importante à la question de l'égalité, qui aujourd'hui prend tout son sens.
en soulignant la différence aussi entre égalité des conditions et égalité des chances, et en insistant sur la nécessaire réduction des inégalités sociales comme condition préliminaire à une véritable égalité des chances. Et un autre élément important, qui a déjà été largement évoqué ce matin par les différents intervenants, c'est que la démocratie et la citoyenneté exigent que chacun ait les mêmes capacités de participer au processus de décision qui affecte leur propre vie. Et l'école est aussi donc une institution fondamentale pour la démocratie. On a donc besoin d'institutions publiques aptes à gérer adéquatement les conflits sociaux, et puisque les conflits font aussi partie du processus démocratique. Et au final, l'élément important, c'est aussi le principe de la justice sociale qui est fondamentalement lié à la question de la cohésion sociale. Donc, ce point sur la cohésion sociale, pour maintenant venir sur le contenu de l'éducation à la citoyenneté pour renforcer la cohésion sociale. J'ai peur de simplement répéter ce qui a déjà été dit ce matin, parce que l'école donc reste une instance d'intégration essentielle et les droits humains sont fondamentaux. Notre solidarité se définit par rapport à un groupe et une appartenance et par des obligations par rapport à ce groupe. Donc la question c'est comment donner des bases universelles à la solidarité et comme on en a parlé tout à l'heure, comment remettre l'universalisme au centre alors que la tendance est plutôt à l'individualisation. Donc on peut avoir un contenu éducatif, comme on entend parfois certains politiques le prôner dans certains pays, orienté vers les besoins du marché, donc orienté à court terme, avec rapidement dépassé, et plutôt pour renforcer la cohésion sociale, il faudrait plutôt avoir un développement orienté vers le développement individuel, la création de l'individualité, la conscience de participer à l'aventure humaine qui dépasse notre personne, aussi par la fréquentation des philosophes, des poètes et des textes universels. Cette approche a été largement développée par la philosophe Martha Nussbaum dans son ouvrage « Not for Profit » en 2010, où elle développe justement l'idée qu'il est nécessaire d'enseigner les humanités et l'art pour créer des citoyens capables de développer une pensée critique, capable de réflexivité et capable de critiquer aussi l'autorité et capable d'empathie pour les plus démunis et capable d'accepter les différences. On peut aussi ajouter que le développement des nouvelles technologies nécessite aussi des compétences critiques accrues. D'autres compétences qui ont été abordées aussi tout à l'heure sont sans doute les compétences relationnelles, apprendre à communiquer. Et on peut penser par exemple au principe de la communication non violente développé par Marshall Rosenberg et qui consiste à transformer tout conflit en dialogue. Donc ce sont des compétences aussi narratives, réflexives, qui sont utiles tout au long de la vie. Dans les différentes analyses qu'on peut faire, on voit que le plus souvent, ce sont les individus les plus instruits, donc ceux qui ont fréquenté l'école, l'institut scolaire le plus longtemps, qui participent le plus à la vie politique, à la vie civique, par leur engagement. Donc en fait, la question c'est aussi, en termes, comment intégrer les autres catégories de la population, quel contenu donner au cursus scolaire pour que ceux qui fréquentent l'école moins longtemps ou qui fréquentent des formations professionnelles puissent également bénéficier des outils nécessaires pour s'engager eux aussi dans la vie politique et dans la vie sociale. Je vous remercie. Monique, thank you, and we will return to some questions to your challenging analysis in a few moments. But before we do so, it's an honor and a privilege to introduce Marie-Hélène Nedelec, the Vice President of Montrepol,
a teacher, also an urban councillor in charge of decentralised cooperation. We look forward to your words. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation d'abord, et puis je salue toutes les personnes présentes qui montrent l'importance et la diversité des acteurs pour l'éducation. Donc l'éducation, c'est bien sûr au niveau scolaire, mais aussi c'est tout ce qui est transfert de compétences, qui est émancipation des citoyens. L'éducation, c'est bien dans tous ces domaines. Donc je voudrais donner une précision, parce que sur le programme CEMIC, je suis spécialiste climatique, je dirais plutôt que je suis une citoyenne européenne consciente des enjeux pour le climat et qui, dans le cadre de coopération, essaye de faire avancer ces idées de coopération dans le changement climatique avec les collectivités partenaires. Un exemple très concret, on est partenaire de la Grande Anse sur Haïti, qui a été frappée par l'ouragan Matthews, avec plus de 1000 morts, énormément, toutes les plantations détruites, et on voit bien qu'il y a une urgence, et que l'urgence, elle est aujourd'hui, et que se battre pour le climat aujourd'hui, c'est une nécessité à tous les niveaux. Donc moi, je suis en charge de la coopération décentralisée. Donc la coopération, on en a parlé M. Gallet tout à l'heure, c'est bien de la relation de collectivité à collectivité, et qui doit se faire dans un esprit de réciprocité et de respect mutuel. Donc cette politique, elle consiste à développer des partenariats entre notre métropole et des villes étrangères qui sont confrontées, comme nous, aux défis de ce siècle, donc entre autres ceux du changement climatique. Donc aujourd'hui, donc, les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables dans cette lutte contre le changement climatique. Et de par l'expertise que nous avons donc dans un certain nombre de domaines sur l'eau, l'assainissement, les déchets, la prévention des risques, l'énergie, ces compétences, nous essayons d'avoir un certain nombre d'échanges avec les partenaires du Sud pour développer ensemble des services urbains durables et de qualité. Donc c'est toujours dans une recherche de modes de développement alternatifs, moins consommateurs de ressources, moins émetteurs de gaz à effet de serre, et producteur de plus d'égalité. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de calquer nos solutions à nous, c'est bien un travail de construction ensemble et de recherche de solutions, parce que nos modèles de développement à nous ne sont pas toujours soutenables et pas toujours exemplaires pour l'avenir de l'humanité. Donc il s'agit bien de travailler ensemble pour construire des solutions ensemble. Donc cette politique se fait d'abord dans la mise en relation de besoins et de compétences qui sont identifiés par nos partenaires. On met en relation des hommes et des femmes d'ici et de là-bas, et pour que cet outil de la coopération soit vraiment un outil d'émancipation. Et donc cette coopération doit rester entre les mains des collectivités territoriales qui sont sur le territoire. Donc les projets doivent être à dimension humaine, améliorer les conditions de vie des populations et mettre en place des échanges de pratiques et d'expériences, des formations aussi bien pour les responsables politiques que pour les responsables techniques, mais aussi des échanges et des renforcements de capacités de société civile à société civile. C'est-à-dire que plus que dans l'investissement dans de l'infrastructure, on est vraiment dans de l'investissement dans l'humain et dans un esprit d'égalité et de réciprocité. Donc je vais prendre deux exemples de relations de coopération. Un premier exemple qui est un travail partenarial qu'on fait avec trois collectivités, Tchang au Cameroun, Kindia en Guinée et donc la Grande Anse sur Haïti, où on est vraiment sur un échange d'expériences entre collectivités et entre autres entre collectivités du Sud. Donc ce programme est soutenu par l'appel à projet du ministère des Affaires étrangères, l'appel à projet climat. Il nous a permis aussi, avec le soutien de Plateforma, d'organiser des séminaires Sud-Sud pour avoir des échanges d'expériences entre partenaires du Sud. Et l'idée, c'est bien comment, entre ces relations entre pays du Sud, en partant du dialogue social pour élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques, en mettant en place des outils de bonne gouvernance, par exemple des agences communales de l'eau, des agences communales de l'énergie, et surtout en tirant profit de l'expérience des différents partenaires. Le deuxième exemple, je vais prendre un exemple qui concerne l'éducation. Nous avons 5 communes de Nantes Métropole qui sont en partenariat
donc avec Kindia en Guinée, sur lequel nous avons travaillé sur la structuration des services à la population. Donc 5 communes de Nantes Métropole qui sont en partenariat avec Kindia au niveau de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail qui a été fait qui a permis la réalisation d'infrastructures d'accès à l'eau et à l'assainissement dans 6 établissements scolaires à Kindia, dans un partenariat avec des écoles des différentes communes de France. Donc ça a amené 3000 élèves et enseignants à suivre un enseignement dans des conditions sanitaires améliorées, hein, avec des latrines entre autres et un accès à l'eau. Ça a permis aussi de former des apprentis dans le cadre de chantiers écoles, les conseils de développement des écoles qui regroupent les enseignants, les directeurs, les parents et l'élève ont été dynamisés et prennent en charge la gestion locale des infrastructures en lien avec l'Agence communale de l'eau et de l'assainissement. Et il y a eu des actions de sensibilisation à l'hygiène avec des outils pédagogiques, du théâtre, un concours de salubrité, des initiatives qui ont eu lieu aussi bien en France qu'en Guinée. C'est-à-dire que c'est bien des questions qui sont communes, hein, auxquelles on doit faire face. Donc c'est toute une prise de conscience des enjeux actuels liés à l'eau, l'assainissement, au développement, avec une implication citoyenne renforcée. Une exposition a été réalisée qui a tourné aussi bien ici en France qu'en Guinée. Donc juste un petit mot pour dire vraiment l'éducation doit être intégrée dans la réponse de la communauté internationale aux défis du 21e siècle, notamment climatique. Et à ce titre, la mise en œuvre de projets de coopération entre villes du monde en mettant en relation des hommes et des femmes d'ici et de là-bas, avec un accent particulier sur les jeunes, parce que je pense que c'est l'avenir, participe des solutions que nous avons à construire ensemble. Marie-Hélène, thank you very much for reminding us of our common humanity. We will return to the question of whether education is a question or an answer. But before we do so, with thanks, I now turn to my left and to Elizabeth van der Steenhoven. It's a particular pleasure to introduce Elizabeth. Elizabeth is an old friend of Jean, was one of the founding members of Jean, and also a member of the Jean board for many years. But that was long ago. And since then, she's gone on to do wonderful things and is currently the director of Karama, am I pronouncing the, which is working to empower those working for democracy and global education in the Arab world. Elizabeth. Thank you very much, Liam. And one of the many tricks I learned in the past 15 years is a trick from you. Is actually, I would like all of you, if you'd like, to please stand up from your chairs. Thank you, Liam, you know this one very well. Yes. And we'll do the tiger. I would like you to take all a big, big, big breath, and then do... No, not so polite. A real tiger, really. Yes, thank you very much. Thank you, Liam. And I'll stay strict, if that's okay with you. Actually, I am, thank you very much. It's a great pleasure to be back with the Jean family, been there indeed for the last 15 years. And talking about paradigm shift, I am not the director of Karama. I am only the director of Karama Europe, because Karama is a network with the headquarters in Cairo, led solely by Arab men and women, and it's a network from the South, by the South. And the only person which is in Europe is me. So it's a South-North instead of North-South. And what we do is really at the heart of global education. And global education, as everybody has been stressing today, is interconnected, is in the entire world, and is thus, of course, happening a lot in other countries, not only in Europe, not only in the North, in the West, but especially in Syria, in Libya, in Egypt, in Yemen, in Iraq, in Iran, happening all over the world. And we were asked to say, what are the challenges for global education?
We see several, and we see that one of our main challenges is the fact that ISIS, al-Nusra, Benghazi brigades discovered the importance of global education and discovered what a danger global education is. And this is what we're facing now. Constantly, and as we speak now, there are groups of youngsters, adults, people who are literate and illiterate in villages, in cities, getting together, discussing the themes we are discussing now, talking about what kind of education do we want, what kind of civic education do we want, how do we relate one to each other, who do we exclude? Do we exclude migrants or don't we? This is happening especially in war-torn countries because people are very, very, very affected. What is happening with the rest of the world? What is happening with their country? And how to work on that? One of the last meetings was in a theater, and it's very nice to be in the Théâtre du Jardin today, knowing that several weeks ago there was a similar meeting with a stage in Tripoli. And of course, all these meetings are covered because they should not, al-Nusra Benghazi brigades should not find out that these meetings are happening. But these are exactly the places where people are coming together discussing what kind of education they want, what kind of future they want, what they see and define as citizenship, and how they relate to each other. Because especially in war-torn countries, you see that the divisions and the clashes between citizens are very, very hard. And what has happened in the past years is that many activists on global education were getting increased support from youngsters, from elderly. They were using Facebook, they were using social media, they were organizing demonstrations, meetings. And in the past 2 years, we saw a shift. We saw that extremist groups like ISIS, al-Nusra, discovered the danger of global education because this was a platform where there was dialogue, where people were meeting, where people were thinking together, and started to target very, very, very actively exactly the ones that are working on global education because they saw the danger of global education. They completely understood it and they completely realized it and started very active targeting, trying to silence people. One of the people who was murdered for exactly her work on global education is Salva Bugaidis. There's a hashtag, Justice for Salva. And in her example, amidst the revolution in Libya, she was pleading for global education, she was pleading for citizenship education, she was pleading for education for youngsters, for international relations, and most of all, she was pleading for people to reflect themselves, to think for themselves, not to just obey and swallow whatever comes from the top, which is exactly what global education is about. There was also a shift in terms. It's not development education or support for development cooperation, it's global education, think for yourself. So why are al-Nusra, ISIS, etc. so much, so vehemently opposed to global education? It's exactly that. It's not telling people what to think. It's urging everybody to think for themselves with all sorts of results. It might also mean that people say, well, I don't agree with this government, or I do agree with this government, or I only agree partially, or I'm not for development cooperation, or I am, but in a different way. And it's incompatible with easy scapegoating. You can't say things are miserable because of migrants, because of people stealing our jobs in Europe, c'est la faute aux immigrés. You can't say it's because of the US, because of the Jews, because of the Freemasons, because of the Shia, the Sunni, etc. No, it's incompatible with scapegoating and it's incompatible with easy answers. This is also why ISIS and al-Nusra see global education as a big danger. And they're right. And it's about global education is that we think we want the world to be interconnected. You want Nantes to be not to be connected with all sorts of cities worldwide, like all of you are doing. People want to preserve this interconnectedness,
and not make barriers. So not have an even stronger Frontex or Hungarian fences, or not have what the Caliphate wants to do in Syria, to have nobody being able to enter the Caliphate anymore. No, it's the opposite. One very important element in this, in what we see in current forms of global education, is the role of new media, but especially Facebook. I mean, I hope that all of you are Twittering. And if you would like, we see also some Twitter addresses with the Jean Paris hashtag. But especially Facebook, and one can have various views about Facebook, and, but it is a platform, a do-it-yourself platform. And it is one of the only platforms which are accessible for everybody to be able to dialogue. So not to spread one unisono message and you're not able to answer, but to dialogue. And that's what makes Facebook so dangerous. And what we have seen in the past year, but there has been no research, so we're just starting on it, is that Al-Nusra and ISIS put a lot of energy to try to take people out of Facebook. So not go to their meetings or killing these people, but putting a huge amount of energy in Facebook. And we were amazed, and Facebook was also amazed by this, because they understood this is a platform for dialogue where everybody can get together and discuss, and that's tremendously dangerous. And actually, I so much loved when I also saw the setup of this conference, because I'm going back to Beirut tonight, and it's exactly the same topics like we are discussing. What kind of education do we want? Who should participate in our society? How to avoid exclusions? But also, who is allowed to vote? Lots of new people coming in. I mean, Europe is complaining constantly about migrants, which is a joke. I mean, for all of you, if you know how many migrants are coming in Arab countries and in general in African countries and Latin American. Still, all these concerns need to be taken very, very, very seriously in dialogue. So all these themes which you see, yeah, they're very recognizable. The same things, luckily, are happening worldwide. Thank you. Thank you. And you'll excuse me if I stand. Thank you, Elizabeth, for the challenging words. We have had some very interesting presentations, and at the core, some words that, for an English speaker who struggles with his French, and who tried to read Paul Ricoeur in the original for many years, but had to go to translation. It is wonderful to hear solidarity, emancipation, equality, planetary consciousness, social justice, empathy, citizen involvement, and education, to hear them spoken in French in Paris a year after the Paris attacks. It is wonderful and humbling and challenging. So thanks to all our speakers and to some questions. I'm sure that there are burning questions from the floor. I'd like to invite questions now. And if you're not careful, I will pick on particular people to ask questions. But I am very sure that there are some questions, some comments, some criticisms. And hello. Hi there, April Bickham from the Australian National University. I hope this isn't too provocative a first question, but I just arrived in Paris yesterday, and you know, we've all been talking about Brexit. We've been talking about the American presidential election, and I noticed that Fillon has just won the Conservative Party nomination here in France, and you have an election coming up where they're saying that, you know, it's going to be against Le Pen and Fillon. I just wonder if global education activists and practitioners have thought about, this is an opportunity to have a response in advance of this next contest. So I suppose that's my question. What kind of response have we got? What kind of response have we got, not only to Are we preparing ourselves in advance? Okay. And not only for the current French political realities, but for European and global political realities. Thank you, April. You're welcome. Thank you.
Have we anyone else? Hi, my name is Stephanie Hodge, from Canada. I've been working in the world of global program development for about 23 years. And in those 23 years, obviously, the whole work on environment has really sort of taken off. We're looking at this from the perspective of change, right? And actually, after you have an agenda, you have to move forth and develop programs. And from a program perspective, this is cross-sectoral work. And I'm just wondering if, you know, there's been any thinking about actually implementation of such an agenda. And how, for example, you see this cross-sectoral work. Certainly, my view is that the environmental area is certainly a good entry point for some of these changes, and I've looked at programs, but it'd be really nice to get some practical sort of comment. Great, thanks, Stephanie, and I hope we'll get an opportunity during the afternoon sessions to look at some very practical strategies. Any other questions, particularly towards our panelists? Because I'm not seeing any hands. Oh, I am seeing hands. Hello. Bonjour, Frédéric Marquet, de la région des Hauts-de-France. Je trouvais intéressant, juste par rapport au panel que vous avez, en fait, on n'a pas vraiment parlé de la même chose. On a parlé de coopération décentralisée avec un volet retour sur nos territoires. On a parlé d'éducation à la citoyenneté et on a parlé de global education. Et on voit bien que tout ça a un rapport. Mais la difficulté aujourd'hui pour nous en collectivité, c'est de trouver de la cohérence dans tout ça et montrer en particulier à nos élus que quand on parle de citoyenneté internationale, citoyenneté mondiale, on parle également d'autres politiques éducatives ou choses comme ça. Et aujourd'hui, la question des concepts et des terminologies m'interpelle et je vois bien là qu'il y a quand même une grande variété. Et c'est comment on peut dépasser ces approches différentes qui sont celles d'une collectivité, celles de la recherche ou ici et celles de l'action plus au sud, quoi. Voilà, merci. Thank you also for that wonderful question. Do we have any more questions? Before I put our questions to the panelists for perhaps some response, just some questions myself. Because Elizabeth robbed. Oh, I have a question from Doug. Doug. Okay, I'm Doug Bourne from the Institute of Education in London. I suppose what I was wanted to raise is a question back to the panel, and it partly relates to some of the comments already mentioned about language and terminology in the current context, is that I'm a little bit concerned that some of the themes that we're using as the basis for this conference, to a lot of many working people in Europe and beyond, may not seem that relevant. And I'm a little bit concerned, and partly related to what's been happening politically, that actually the narrative that many of us have had within the global education field is not actually addressing many of the concerns that many people have in Europe and beyond about feeling dislocated and alienated from society and feeling not having a voice. And I'm just wondering, particularly in terms of, I thought Elizabeth's presentation was very powerful, but one of the things I'm proposing in relation to that is actually how do you then engage in a dialogue that makes some connection with the agendas and concerns that people have in a European context. And I'm just worried that themes like freedom, equality, and solidarity all sound very nice and cuddly, but actually are they the themes that we're really going to engage with people that move beyond just being almost a very insular grouping of people? Okay, and we wouldn't have that, Doug, would we? So thank you very much, Doug. And now I turn to our panelists. And who'd like to start? Do we have a response from Elizabeth? Thank you. These are very, very, very pertinent questions. And maybe Doug is always very clever.
as well as the gentleman in the back, maybe on the issue of both terminology as well as the very real concerns, very briefly. As with everything in life, there are different conceptions and etiquettes on what we do. If we look, for instance, on global education, a part of the thinking started with 20 years ago, gathering support for development cooperation, like the gentleman in the beginning was saying, after which the reflection came, pushed forward by people like you sitting in the room saying, no, it's not about gathering support, buy a goat and then the world will be happy, but really to deeper reflect on what are the international relations and the consequences of our deeds, the Western in the South and vice versa, which led to development, education, and after this came this kind of new concept challenge led also by you very much, Doug, saying it's not about development, it's not about North-South, which was a big problem with the MDGs, only having the last of the 8 MDGs talking about the North and all the other 7 talking about the South, so the SDGs are an improvement. But saying no, we're in a deeply interconnected, interlinked world. And global education does not automatically mean support for development cooperation. It's not a complete answer to the question. I'm aware of that. There are indeed different concepts. There are different concepts, and that will stay, I think. But it's good to be aware of that and to try to find the connects. And mostly, that's one thing of the. I didn't have time to dwell into that, but the discourse of what we see, for instance, of al-Nusra is very closely linked somehow to the discourse of extreme right wing here in Europe, talking about separatism, excluding large groups and scapegoating, and absolutely a lot of concerns of the people feeling left out are very, very real, and they are the same like the concerns which are there in the South. And one of the elements, at least our group is doing now, is talking with exactly the same people and not trying to convince people because that never works, but to deeply reflect on what are the big elements that move people. Poverty, exclusion, complete lack of perspective, and real annoyance with other people, which is real. It is real, and it's absolutely important for all of us to be able to accept it. Like the lady was saying, what is our answer to Marine Le Pen? And these are discussions which are on the top of the agenda and which are extremely urgent. Thank you. Thank you, Elizabeth, and sorry. Yes, who'd like to go on? Who'd like to respond next? Marie-Laine? Oui, donc je me sens interpellée dans plusieurs domaines. Là, c'est vrai que par rapport à la réponse, là, par rapport aux Hauts-de-France, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des réseaux qui sont multiples, où chacun un peu travaille dans son coin. Et je crois vraiment que la réponse, elle est à travailler sur des réseaux multi-acteurs, où on met tout le monde autour de la table sur cette question de citoyenneté mondiale. Peut-être aussi que dans nos programmes éducatifs aussi, ça devrait faire partie obligatoire, ça devrait être quelque chose d'obligatoire. On voit bien, parfois, on fait des propositions aussi dans nos écoles, et puis c'est en fonction des enseignants qu'on a des réponses positives ou pas, en fonction de la volonté des enseignants. Donc je pense qu'il y a peut-être une partie au niveau de l'éducation un peu à être plus volontaire pour que ces questions soient intégrées. Par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, le Brexit, par rapport à ce qui se passe en France, aux élections, je crois que la réponse, elle est entre les mains des citoyens aussi. C'est aussi la mobilisation des citoyens qui sera aussi les garde-fous pour qu'on reste dans un monde où on travaille pour plus d'égalité et plus de justice. Hein. C'est pas les politiques tout seuls qui régleront les questions. Thank you, Marilyn.
Merci, ben je vais rebondir. Alors effectivement, ça vient des citoyens. Et donc la démocratie, on voit bien que ce n'est pas quelque chose de donné, que ça demande de l'engagement. C'est aussi la légitimité de tous les points de vue, quels qu'ils soient. Donc c'est aussi apprendre à respecter les points de vue des autres. Et pour parler de la cohésion sociale, en fait, on peut avoir des valeurs qui guident. Après, on peut avoir différents niveaux d'implémentation. Mais dans la mesure où on partage une compréhension commune des valeurs, ça facilite déjà les choses. Et aussi, à partir du moment où on est conscient, où on apprend, peut-être en tant qu'enfant, à l'école, au collège, etc., où on apprend qu'on a des droits et qu'on a des obligations, ça peut aussi amener à être plus actif dans son rôle de citoyen. Et à participer davantage, à avoir aussi les moyens intellectuels et les moyens critiques pour prendre position dans la sphère publique. May I now that I have the microphone just add one word, because I think I've been working on development education and global education for the past 15 years, and at least one big mistake we made in the Netherlands was that we were constantly sending messages to people, and we were trying to make them as nice as possible and as hip as possible, etc. But it was only sending one way, and that is also, I think, where a huge mistake was made. It created a huge gap of people being completely fed up receiving nice, fancy messages while they see their own reality in Europe deteriorating and their jobs disappearing. So I think all of us now needs to be in the business of listening, of not giving our ready-made answers. This is with Karama how we dialogue with ISIS and al-Nusra, because we talk. I mean, you know, it's people, we talk with them. And this is how we in the Netherlands are talking with, well, a party, Wilders. Anyhow, you probably don't know him. I hope you don't know him. But we really need to listen. And what we did see, but it's on a very small scale, that if you engage in dialogue one-on-one, you do see improvements. But it's really one-on-one work on the C20. Yeah. Thank you, Elizabeth. And just to conclude, we don't expect to have answers, neither today, now, nor at the end of the day. But we are raising questions together. The work of Jean over 15 years based on the Maastricht Congress is really in response to the question of our French colleague. With all these concepts, how do we bring them together? And we have tried to under the umbrella of global education, but that needs to be constantly critiqued. How do we know that we are talking not just to ourselves, but to citizens of Europe in solidarity with citizens globally? Our only guarantee is that we do this through education, not through pre-packed messages, but through an education which starts where people are at. And yes, some of these words that we are throwing around, like solidarity and equality and empathy, may be cuddly or amorphous, but they also have deep and rich traditions, which we hope to draw on. And I suppose we do, in the words of Adrienne Rich, the North American feminist, we do hope to forge the dream of a common language, also in solidarity with peoples of other continents. So I thank our panelists, I thank our questioners, I thank you all. And we will draw this part of this session to a conclusion. So thank you. Thanks a lot.